7 juin. Si vous savez observer la nature, vous verrez qu'elle ne cesse de nous présenter des méthodes pour résoudre nos problèmes. Par exemple, comment l'huître s'y prend-elle pour fabriquer une perle? À l'origine, il y a un grain de sable qui est tombé dans sa coquille, et ce grain de sable est une difficulté pour elle. Il l'irrite. Ah, se dit-elle, comment m'en débarrasser? Il me gratte, il me démange. Que faire? Elle commence à réfléchir, elle se concentre, elle médite. Et un jour, elle commence à sécréter une matière spéciale avec laquelle elle enveloppe ce grain de sable tellement irritant, de façon à ce qu'il devienne lisse, poli, velouté. Et quand elle y a réussi, elle est contente. Elle se dit « J'ai vaincu une difficulté, je l'ai transformée ». Alors, voilà la leçon de l'huître perlière. Elle vous apprend que, par la pensée, vous pouvez envelopper vos ennuis, vos contrariétés, d'une matière lumineuse, irisée, et ainsi, vous amassez des richesses inouïes au-dedans de vous. Le véritable spiritualiste est celui qui sait travailler sur ses difficultés pour en faire des perles précieuses.